Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette couverture du 44e tournoi national midget de la chute et du 4e tournoi provincial à Tombes. Jérémy Paradis sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Mon nom est Francis Legault du journal Le Régional et aujourd'hui, nous vous présentons les faits saillants des matchs qui ont été disputés le 20 janvier. Et on commence ça tout de suite avec le tout premier match de l'équipe des Stars de la chute dans la classe M11B. Ils affrontaient les Bombardiers de Valcourt. Compagnie de Charles-Éric Audette, l'entraîneur-chef des Stars M11B, défaite de 7-0. Malgré tout, il y a du positif que vous êtes capable de retirer de ce match pour préparer pour les prochaines rencontres? Le dernier tournoi, ça a été très difficile un peu dans ce sens-là, mais on a quand même réussi à surmonter ça avec deux victoires, une après l'autre, puis se ramasser en demi-finale. Fait que j'ai confiance en mes joueurs, je sais qu'ils vont revenir fort, puis ça va bien aller. Et là, ce soir, vous affrontez les Concorde de Mirabel, Concorde 3, qui sont une bonne équipe à ce qu'il paraît. Est-ce que vous avez déjà affrontés en saison régulière? Oui, on les a affrontés, puis ça a quand même bien été. On a fait un beau match contre eux autres. Puis je connais des joueurs l'autre bord qui ont été dans notre équipe l'année passée dû au changement de l'allégeance de Colombin. Exactement. Fait que c'est ça, j'ai hâte de voir ça. Donc, on va bien se préparer pour le match d'ouverture locale ce soir. Est-ce qu'on va prévenir les jeunes de ne pas trop se laisser aller avec la nervosité qui vient avec ce match d'ouverture officiel? Oui, il y en a certains qui vont retourner à l'école. Il y en a d'autres qui vont rester à la maison. Là, je les ai avertis de pas trop courir un bord puis de l'autre. Mais je sens qu'ils vont être prêts et on va donner un bon match. Ben, merci beaucoup. Bonne chance pour le reste du tournoi. Je suis en compagnie de Dylan Bourgoin, le joueur du match pour les Stars M11B. Alors, toi, t'es le deuxième gardien de but, tu as commencé à jouer seulement à moitié de la deuxième période. Parle-moi un peu de ton match. Comment tu as vécu ça? Ben, c'est sûr que l'autre équipe avait était très bon, mais on a bien travaillé. Puis si on lâche pas, ben on pourra finir le tournoi en force. Et justement, il vous reste un autre match aujourd'hui, le match d'ouverture officielle. Comment tu penses que vous allez vous préparer justement pour ce match? Ben, c'est sûr qu'on va faire les étirements, puis au cas où de se blesser, je connais un joueur de l'autre équipe. Les Concordes sont très, très forts, mais on va essayer de se forcer. Ben parfait. Félicitations. Bonne chance pour le reste du tournoi. Merci.
Les Stars M11B n'avaient pas le temps de se reposer puisqu'ils disputaient un deuxième match aujourd'hui. Ils affrontaient les Concorde 3 de Mirabel dans le match d'ouverture officiel de la catégorie. De Charles-Éric Audette, l'entraîneur-chef des Stars M11B. Deuxième défaite, malheureusement, de 8 à 1. Mais c'est pas grave, on efface tout, car demain, on fait un match de quart de finale. Comment vous allez préparer vos joueurs, justement, pour oublier ces deux matchs? Je vais leur expliquer que le devant du filet est très important à surveiller parce que trois quarts de nos buts ont été faits en avant du filet, donc c'est sûr que là, ça va être ça à surveiller demain là, pour la partie. Malgré tout, aujourd'hui, la première période, ça a quand même très bien été. Vous meniez 1 à 0 jusqu'à la toute fin. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'ensuite, on connaisse le résultat qu'on connaît? Le devant du filet a complètement été oublié. J'ai parlé aux joueurs durant l'entraque, durant tout le temps que je pouvais leur parler, puis je leur ai demandé de surveiller le devant du filet, mais ça n'a pas passé. C'est une défaite d'équipe aujourd'hui, là, ça a été difficile. Bien, on vous souhaite bonne chance pour le match de demain. Merci. Parle-moi un peu de ta rencontre. Comment ça s'est déroulé pour toi?
Ben, je sais pas, là. Ben, vous veniez 1-0. Fait que vous aviez quand même fait quelque chose de bien au début du match. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé après? Ben, les joueurs, ils ont tous abandonné, genre... Mais quand c'était 3-0, 3-1, les joueurs, ils ont genre abandonné, genre, ils ne sentaient plus capables, fait que... Et qu'est-ce que tu penses que vous allez devoir faire demain pour éviter, justement, que vous abandonniez en plein milieu de la partie? Ben, on va surveiller les joueurs qui sont en avant du but. C'est une bonne idée. Félicitations à ton titre de joueur du match. Bonne chance pour demain. Voici maintenant les faits saillants du match d'ouverture officiel de la classe M18A entre les Stars de la Chute et les Ice Dogs de Castlemaine-en-Brun.
En compagnie de Bruno Besson, l'entraîneur-chef des Stars M18A. On vient de le mentionner avec votre joueur du match. C'est quand même une bonne sortie pour vous, pour votre équipe ce soir, même malgré la défaite. Donc, il y a quand même du positif qu'on peut ressortir de votre expérience au tournoi. Qu'est-ce que vous allez retenir de votre expérience que vous allez emmener dans votre saison? Bien, moi, je trouve que comme équipe, là, pendant le tournoi, on a vraiment monté d'une coche. On a monté notre caractère, puis tout ça, notre esprit d'équipe. Fait que moi, je suis très satisfait du tournoi, malgré les résultats. Écoute, on n'a pas de chance cette année. La POC, elle roule pas pour nous autres. Je sais pas ce que c'est, mais je pense qu'on méritait un meilleur soir à soir. Au moins, on méritait 2-3 buts à soir. Là. C'est certain. Et là, qu'est-ce qui vous reste durant la saison? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochains mois, prochaines semaines? Ah, dans les prochaines semaines, on va être occupé. Dans 2 semaines, on a 3 matchs dans une fin de semaine. Donc, ça va encore tester les gars pour voir s'il lui reste du gaz dans la tank là, pour la deuxième moitié de saison. Bien, je vous remercie. Bonne chance pour le reste de votre saison. Bien, merci beaucoup. Je suis en compagnie de Jean-Thomas Langumier, le joueur du match pour les Stars M18A. Parle-moi un peu de la rencontre, quand même. Défaite de 4-1, mais une défaite honorable. Vous êtes bien sorti ce soir. Ouais, on était vraiment proche de la victoire. On aurait vraiment pu la gagner. Je trouve qu'on s'est bien donné cette game-là. C'était une de nos meilleures games, bien sûr. Puis la prochaine, on va la gagner, j'en suis sûr. Et parle-moi un peu de l'expérience de jouer au tournoi national midget de la chute avec la présentation des joueurs, une grande foule dans les estrades. Comment t'as trouvé ça? Ah, c'était vraiment le fun pour de vrai. Genre, c'est une expérience à vivre. Puis surtout avec merci à l'association de Jérémy Paradis. Et je crois que tu vas revenir l'année prochaine au tournoi. Il te reste encore quelques années dans la catégorie M18. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu penses que l'expérience que tu as vécue cette année va t'apporter pour la prochaine année? Bien, je crois que surtout, je vais être moins stressé, mais pour de vrai, il ne faut pas stresser. Là. C'est le fun. Et comme on le voit avec ton chapeau de cowboy, fait que ouais. Félicitations pour ton titre de joueur du match. Bonne chance pour le reste de ta saison. Merci. Vous le reconnaissez, c'est Denis Hamel, ex-joueur de la Ligue nationale de hockey, membre du Temple de la renommée de la Ligue de hockey, de la Ligue américaine de hockey, et aussi un fier représentant de la région d'Argenteuil. Bonjour Denis. Bonjour, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui. Alors, parle-nous un peu, on va revenir un peu sur ta carrière, parce que là, tu as été intronisé au Temple de la renommée de la Ligue américaine de hockey en 2020. Peut-être que les gens d'Argenteuil n'étaient pas au courant de ce fait d'armes-là. Parle-nous un peu, qu'est-ce que ça t'a fait justement d'être intronisé au Temple de la renommée? Bien, premièrement, c'est un feeling incroyable. J'expectais pas ça, mais c'est un côté, quand ils m'ont nominé pour être au Temple de la renommée, c'est un feeling incroyable pour dire que tout l'accomplissement que j'ai fait, tout le travail que j'ai mis, ça a rapporté quelque chose à la fin. Puis, c'était un week-end incroyable à Los Angeles. On a eu, en famille, on a eu du fun, puis ils ont bien fait ça. Et là, si tu es ici aujourd'hui au tournoi national midget de la chute, c'est parce que désormais tu habites du côté de Castleman en Ontario et tu es entraîneur du côté de l'association de hockey mineur là-bas. Parle-moi un peu de ton rôle d'entraîneur. Comment tu es devenu entraîneur et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bien là, entraîneur, j'ai toujours aimé le hockey. Ça a toujours été dans de moi. En ce moment, je coach 3 équipes. Fait que les fins de semaine sont beaucoup occupées. Pour cette équipe-là, c'est des jeunes joueurs. Mon garçon le plus vieux, il joue là-dedans. Puis il cherche un entraîneur au début de la saison. Je m'étais assis quelques semaines à y penser. Puis j'ai embarqué. J'ai eu la chance d'avoir des bons entraîneurs avec moi. Fait que quand tu as un bon groupe d'entraîneurs, c'est le fun. Puis j'ai une bonne gang de gars. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Parce que là, c'est ça, vous êtes entraîneur. Tu es entraîneur de l'équipe M18A de Castleman. Et tu tenais à ce que ton équipe vienne jouer ici au tournoi national midget de la chute. Comment t'as trouvé ton expérience jusqu'à présent et pour tes joueurs aussi, pourquoi c'était important pour toi qu'ils vivent l'expérience ici du tournoi? Bien, c'est pour leur montrer comment que la chute était vraiment des partisans incroyables. Ils m'ont supporté toute ma carrière. Puis je veux les remercier en amenant comme mon équipe ici. Puis montrer aux jeunes que quand on joue contre la chute, la crowd est incroyable, il y a toujours du monde. On a fait des tournois puis il y avait 50 personnes dans les estrades. Puis quand ils sont arrivés à la chute, ils ne croyaient pas que je l'avais dit, qu'il était pour avoir 200, 300, 400 personnes. Fait que là, ils sont super excités d'avoir été présentés avant le game, puis le fait de jouer dans mon ancienne aréna, puis dans mon village. Fait que c'est quelque chose que je voulais montrer aux jeunes, c'est quoi une vraie ville de hockey. Et pour toi, personnellement, comment tu as trouvé ça de revenir justement à la chute en tant qu'entraîneur d'une équipe? Bien, c'était le fun. Un peu énervant, ça c'est sûr. J'ai encore le feeling, la nervosité avant une game, mais c'était une game incroyable. Les 2 équipes sont présentées, c'était le fun. Je pense que c'était un match très, très intense.
Puis à la fin de la game, c'est surtout, je pense que les deux équipes ont eu du fun, puis c'est ça le plus important. Et là, il vous reste un match pour la ronde préliminaire. Je sais que ça va être un peu plus difficile peut-être pour passer en deuxième ronde, mais à cause du classement, là, comment il est fait. Mais est-ce qu'on va te revoir l'année prochaine, ou soit avec l'équipe M18, ou peut-être dans quelques années avec une équipe M11, on ne sait jamais. Est-ce qu'on va te revoir à la chute bientôt? Oui, c'est certainement. Je vais essayer de peut-être ramener mon équipe ici l'année prochaine, M18. Puis mon plus jeune qui a 6 ans, peut-être dans 3-4 ans, va venir jouer M11. C'est sûr qu'il est ici à soir, mon plus jeune, puis il adore le hockey. Fait que si un jour il a la chance de venir jouer à la chute, il va voir c'est quoi. Ben, je vous remercie. Félicitations pour votre victoire ce soir et bonne chance pour le reste du tournoi. Merci beaucoup. Malheureusement, ce fut 3 défaites pour les équipes des Stars de la Chute aujourd'hui. On souhaite bonne chance à l'équipe M18A pour le suite de la saison et pour l'équipe M11B qui dispute un dernier match demain. Je vous rappelle que vous pourrez revoir toutes nos émissions sur le site web de la TVC au www.tvcargenteuil.com. Mon nom est Francis Legault et je vous dis à la prochaine.